Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo, je pense que c'est la première partie. En une vidéo, je pense qu'il y aura peut-être deux, peut-être trois parties, je n'en sais rien, sur la présentation de mes calendriers de l'Avent. Voilà, je me suis encore un peu lâchée cette année, je pense un peu moins que l'année dernière, quoique, non. Soit égal ou soit peut-être même pire. Donc je me suis fait plaisir cette année, puisque l'année dernière, effectivement, je n'avais pas de travail. J'étais en congé parental, donc j'avais un peu limité les frais, si je puis dire. Là, cette année, effectivement, comme je travaillais, j'avais envie de me faire plaisir. Mais plaisir, on va dire, raisonnable, avec une consommation utile. Voilà, tout ce qui était calendrier beauté. Comme l'année dernière, c'est pas moi qui avais acheté le calendrier beauté. D'habitude, ma mère m'avait acheté donc deux fois de suite l'Occitane. Sauf que le packaging était différent, mais les produits étaient les mêmes et à peu près donc aux mêmes cases en plus. Donc, ce qui fait que l'année dernière, ma mère m'avait envoyé le calendrier de l'Avent, enfin m'avait fait livrer ici le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher, qui ma foi était très bien. J'avais utilisé tous les produits, il n'y a peut-être que les vernis à ongles que j'ai fini par en garder certains et en vendre d'autres parce que j'avais en double. Et puis c'est vrai que ça fait un an que je n'ai pas mis de vernis à ongles. Donc de toute façon, de moi-même, je n'aurais pas acheté de calendrier beauté cette année. Est-ce que ma mère va me faire la surprise de m'envoyer quelque chose? Je ne sais pas. En général, ma mère garde le secret, donc je ne sais pas. Je m'achète toujours des calendriers à boire, des calendriers à manger. Donc que ce soit, comment dire, thé, tisane, ou que ce soit chocolat, enfin voilà. Donc je voulais rester sur ce même principe du consommable, on va dire, du consommable utile, pas du consommable un rouge à lèvres que je mettrai qu'une fois et qu'après je ne remettrai plus, enfin voilà. Parce que je suis un peu sortie de cette optique-là. On verra après quand l'enclos sera plus grand, si je me réintéresse à toutes ces choses-là, si je prends du temps pour me maquiller, si je prends du temps pour ci, pour ça. Là, il y a tellement de choses qui font que je ne me maquille plus. Il y a déjà... Le fait que l'enclos soit petit, donc ce qui fait que j'ai un peu moins de temps, j'essaye de consacrer mon temps à l'essentiel. Voilà, le matin, je préfère être avec mon fils, prendre le petit déjeuner avec lui, etc. Plutôt que d'aller... Et puis pareil, je me lève une heure avant lui pour avoir le temps d'au moins de prendre ma douche. C'est le principal, d'être propre, de m'habiller et surtout de me poser pour prendre mon petit déjeuner, ne pas le prendre en speed, etc. Au moins un repas que je prends calme et sereinement. Et après, du coup, je m'occupe de lui, donc pendant trois quarts d'heure, je ne vis que pour lui. Donc voilà, comme on sait que le temps de sommeil est aussi précieux, parce que voilà, en ce moment, il est malade, par exemple, donc les nuits sont très hachurées, donc c'est très compliqué. Eh ben, j'ai pas envie de perdre une demi-heure de plus, pour le moment en tout cas, à me mettre du mascara, etc., du rouge à lèvres, du fond de teint. Bon, je mettais déjà plus de fond de teint, mais c'est vrai que du fait en plus que maintenant, donc l'enclos est encore petit, j'ai tendance à faire beaucoup de bisous, beaucoup de câlins, il me touche beaucoup le visage. Enfin, il me dit par exemple en ce moment les yeux, les joues, la bouche, le nez, voilà, il me dit un peu mon anatomie. Donc c'est sûr que si j'étais maquillée, voilà, il m'en mettrait partout, mais ce serait pas très agréable pour personne. Et il y a aussi, pareil, l'état de fatigue. Beaucoup dans la journée, je me frotte les yeux parce que je suis fatiguée. Beaucoup, voilà, dans la journée, je fais des choses qui pourraient en étaler partout. Et dernier cas de figure, le Covid a fait qu'effectivement, on est masqué une bonne partie de notre vie maintenant. Donc c'est vrai que de me mettre du blush alors que j'ai un masque qui va jusque-là, je vois pas l'intérêt. Bon, le fond de teint, j'en mettais pas, mais de mettre de l'anti-cerne qui va partir au final sur le masque, rouge à lèvres qui va partir sur le masque. Je pourrais dire je me maquille les yeux, mais comme je vous dis, en ce moment, je me frotte quand même beaucoup les yeux à cause de l'état de fatigue. Donc pour l'instant, tout ce qui est maquillage, enfin voilà, c'était une grosse parenthèse, c'est pas pour maintenant, voilà. Il y a des choses qui pourraient me faire plaisir, hein, mais même au niveau des bijoux, c'est vrai que depuis la naissance de Lancelot, je ne mets plus de collier ni de bracelet. Je me suis remise un peu à la bague et puis des boucles d'oreilles. J'ai toujours pas encore opté pour les boucles d'oreilles pendantes parce que Lancelot a tendance un peu à attraper, à toucher, à tirer dessus. Donc voilà, si je veux pas me retrouver égorgée ou avec un lobe déchiré en deux, pour l'instant, on ne pense pas à ça. Donc j'avais un peu regardé les calendriers d'avant, c'était il y a quelques mois, enfin ça devait être au mois de septembre, parce qu'à l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 27 octobre. Je vous la filme parce que il y a des choses que je voudrais entamer, entre guillemets, parce que j'ai pris deux calendriers qui sont à peu près similaires et que, comment dire, je pourrais pas prendre, manger les deux trucs en même temps, donc je vais en prendre un en novembre et un en décembre. Voilà, tout s'explique.
Oui, donc il y a quelques mois, au mois de septembre, j'ai été sur Amazon et j'ai tapé tout simplement calendrier de l'Avent. Donc ça m'a mis des choses aussi bien pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes. Ça m'a mis des choses. Alors il y a des choses dont j'ai envie, par exemple bougies. J'ai vu qu'il y avait des calendriers de l'Avent bougies qui étaient à un prix raisonnable et qui avaient l'air vachement intéressants. Mais cette année encore, je pense que je vais m'abstenir encore de faire brûler des bougies parce que je trouve que Lancelot est encore assez petit et surtout ici, on n'a pas le logement adapté. Il faudrait à chaque fois, si je mets les choses sur la table à manger, bah à chaque fois, il faudrait qu'on la retire. Ici, il n'y a pas de place, c'est plutôt accessible à Lancelot. Pareil au niveau de mon bureau ici maintenant qui se met debout sur le canapé, je ne peux pas laisser non plus une bougie là. Dans l'entrée, je vois pas trop l'intérêt de mettre une bougie dans l'entrée. Hein. Et puis bah, là, le meuble là, je trouve qu'il est un peu trop près du plafond. Et j'ai peur que ça fasse une auréole un peu noire sur le plafond blanc. Donc pour l'instant, bougie, c'est mort. Voilà, on verra l'année prochaine s'il est un peu plus sympa et qu'il touche un peu moins les choses ou si on a un agencement différent au coquès. Donc pour l'instant, pas de bougie. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui pouvait me plaire? Je sais plus trop ce que j'ai vu qui pouvait me plaire. Mais j'ai trouvé donc un calendrier de l'Avent pour Lancelot, là sur Amazon. Deux calendriers de l'Avent pour moi, enfin on va dire un pour moi à 100% et un 50% pour moi, 50% pour Simon. Et puis j'ai regardé une vidéo de Hélène Lavillaine, je crois. Enfin je sais plus si elle s'appelle comme ça, mais c'était Hélène Lavillaine à l'époque que je la suivais assidûment. Je continue à la suivre, mais c'est vrai que maintenant je fais plus attention au pseudo. Quand les gens changent de pseudo, je ne fais pas forcément attention. Elle a eu un partenariat avec MyMuesli et après elle, bon, c'est chez elle que j'ai vu le premier partenariat, mais j'ai vu tout plein d'youtubeuses après qui avaient les mêmes produits. Donc là, ça fait redondant parce que j'ai les mêmes produits, sauf que moi, je les ai achetés avec mes sous. Et grâce à Hélène, qui avait des gros pourcentages de réduction, des codes promo super intéressants, j'ai pu limite en avoir un, enfin en avoir un gratuit, en avoir deux pour le prix d'un. Je crois que j'avais moins. Il devait y avoir moins de 40% sur l'un et puis moins, pareil, il devait y avoir moins 40%, enfin bref, sur un et sur l'autre. Enfin, je sais plus, mais enfin, c'était super intéressant. Donc j'ai utilisé ces codes promo. J'espère qu'elle a une contrepartie de ça, parce qu'elle le mérite. J'ai pris deux calendriers de l'Avent MyMuesli, donc. J'en ai pris un où ce sont des muesli, parce que c'est un peu la marque. Bon, j'ai regardé un petit peu, il y en a certains que je vais sans doute pas aimer, mais en général, voilà, quand c'est des trucs au chocolat, des trucs un peu au miel, aux amandes, tous ces trucs-là, aux noix, j'aime bien. Il y a peut-être plus les trucs style fruits rouges, on verra bien si ça passe. De toute façon, je sais très bien que si je ne finis pas, Simon finira. Et puis, je ne sais pas encore si moi, habituellement, muesli, je le mange comme ça. Je prends une tasse de thé et je mange le muesli comme ça à la cuillère, à sec. Je ne le mets ni dans des yaourts, ni dans du fromage blanc, ni dans du lait, parce que je trouve que ça ramollit et j'aime pas. Donc, en général, voilà, on va dire que c'est plus je picore dans la boîte. Donc, il y avait des trucs qui étaient intéressants. Je crois pas que ce soit celui-là. Non. Donc, c'est la boîte bleue. Ce sont des boîtes énormes, mais apparemment, de ce que j'ai vu, alors c'est le monde de Piotr aussi qui l'ouvre en avant-première et qui du coup en prend un truc tous les matins. Donc c'est une énorme case qui fait comme ça et apparemment c'est une portion pour un petit déjeuner en gros. Donc ce qui fait que c'est une grosse boîte parce qu'il y a 24 portions. Je ne sais pas si... S'il y a 24 parfums différents ou s'il y a, on va dire, admettons 12 parfums et qu'ils mettent deux fois. Ça, je n'ai pas suivi dans sa vidéo et j'ai pas fait attention non plus quand j'ai commandé. Mais c'est pas grave. Il y a peut-être même que trois fois les mêmes. Enfin bref, je sais pas. Mais c'est un truc que j'avais envie de tenter. Donc j'ai pris ça. Et celui-ci, en fait, celui-ci a été mon premier choix sur le site parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à un peu plus manger en hiver. Parce que c'est vrai que le muesli, comme je le prends à sec. Voilà, c'est consistant, etc. Mais du coup, j'ai ma tasse de thé et le muesli. Et voilà, c'est plus un truc gourmand qu'un truc réconfortant. Et là, j'avais envie de prendre vraiment celui-là. Celui-là, c'est pareil, c'est aussi avec des cases comme ça. Et je pense que c'est aussi des boîtes par repas. Mais c'est des porridge. Voilà, en général, l'hiver, j'aime bien me faire ces petits déjeuners-là assez réconfortants. Donc, je le faisais moi avec des flocons d'avoine ou du son d'avoine, du son de blé, voilà, tous ces trucs-là. Mais je mettais rarement des choses qui aromatisaient tout ça. Je mettais de temps en temps de la noix de coco râpée ou je mettais de la poudre d'amande ou des choses comme ça, mais c'était assez rare. En général, je laissais nature. Et donc là, ce sont des porridge aromatisés. Donc, je vais pouvoir me faire mes petits. Ce sera déjà tout prêt, j'aurai juste à mettre effectivement le lait et à mettre au micro-ondes pour que ça gonfle.
Et voilà, ça me fera mes petits déj tout prêts. Je ne sais pas encore si je commence par celui-là ou si je commence par celui-là. Je ne sais pas. Je sais que je voudrais commencer là début, enfin, on va dire mi-novembre pour enchaîner en fait. Je vais essayer de faire le compte à rebours à l'envers pour que effectivement je puisse enchaîner le 1er décembre avec le deuxième. Vous voyez? Je vais essayer de faire comme ça. Donc au moins je vous ferai ça reste dans du calendrier de l'Avent parce que du coup je vais les faire coller. Donc ce qui fait que voilà, je vous ferai le topo de tout ça au mois de janvier, un peu de mon ressenti, si ça m'a plu ou pas, si du coup je vais devenir cliente, je ne pense pas parce que ça a quand même un prix, c'est un budget de commander sur MyMuesli. Je n'ai aucun partenariat. Après, il faudrait que je guette les codes promo. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon des choses qui pourront aller également avec ça pour le petit déjeuner. J'ai commandé le calendrier de l'Avent de chez Pouka. 24 jours féeriques, ce sont des thés biologiques. Alors du coup, il va falloir que je vois un peu comment je prends mon fer. Parce que du coup, étant un petit peu anémiée, j'ai des comprimés de fer à prendre, sauf qu'il faut les prendre largement décalés de la prise de café et de thé. Donc je vais voir un peu comment je m'organise. Si c'est vraiment que des thés. Où il y a marqué par exemple 3 camomilles, il faut que je regarde fleur de camomille. Donc il faudrait que je vois en fonction de ce que c'est, si je peux prendre mon comprimé de fer le matin ou si je le prends le soir. Puisque du coup le soir j'ai un autre calendrier que je vais partager avec Simon. Ça du coup j'aimerais l'utiliser le matin. Ou alors ce que je fais c'est que je reste à la tisane le matin et que ça j'utilise le midi. Mais je voudrais vraiment me faire mes trucs de surprise tous les matins quoi. Mais bon, je verrai. Donc voilà, ça c'est, il y a 24 sachets, il y a un petit peu tous les parfums, bon il y a même du after dîner alors que j'ai prévu de prendre ça le matin, mais bon, je sais plus combien il y a de sachets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ben, il y en a vraiment 24 différents. Donc vraiment ceux que j'aimerais, il faudra que je garde le sachet parce que c'est une marque que je connais assez peu, Pouka. Et c'est une marque qui pourrait éventuellement m'intéresser parce qu'elle n'est pas à un prix excessif. Donc celui-ci, je ne sais plus combien je l'ai payé, je crois que j'ai dû le payer 13 euros. Enfin un peu moins de 15 euros, c'est sûr, sinon je n'aurais jamais acheté pour une marque de thé assez sympathique. Donc à voir. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là, un grand classique des thés pas chers. Ce sont des sachets Lipton. Alors il est énorme, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 48 sachets. J'ai voulu le prendre celui-ci bah parce que je savais que c'était une valeur sûre, c'est pas un grand thé d'une qualité extrême, mais c'est un truc qui nous fera bien plaisir à boire devant le film du soir en guise de digestion après le dessert. Et puis surtout, voilà, j'avais envie d'un doublon plutôt que d'acheter deux fois le même calendrier. J'avais envie d'avoir à chaque fois le soir deux sachets identiques pour pouvoir partager avec mon amoureux. Donc j'espère que c'est ça, que quand on ouvre une case, on a deux fois le même sachet. Enfin, c'est un peu le but pour lequel je l'ai acheté, mais bon, on verra bien. Il y a 24 moments of tea. C'est un assortiment de thé et d'infusion. Donc voilà, en fonction de comment je jonglerai, je verrai à quel moment je prendrai mon. Ou sinon, il faudrait que je prenne mon comprimé le midi, éventuellement. Je n'ai jamais pensé à ça, mais pourquoi pas. Donc là, je ne sais pas combien il y a de sortes. Je ne sais pas. Aux fruits rouges, alors je vais essayer de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y a l'air d'en avoir 24 aussi, hein. 24 sortes différentes, donc pareil, des trucs super connus, hein. Oui, il y a ceux que je connais même pas, à la cerise griotte, thé noir aromatisé agrumes, tropical fruits. Bon, thé au citron, thé aux fruits rouges, vous voyez, les grands classiques. Vanille caramel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bergamote. Voilà, en gros. Des classiques, mais voilà. Celui-ci, pareil, il m'a coûté moins de 15 euros. Et donc, ce sera un truc que je partagerai donc tous les soirs avec Simon. Et le dernier que j'ai acheté sur Amazon, c'est celui-là. Le Crayola. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'est pas pour moi. Il est pour Lancelot. J'espère que ça va le faire. J'ai vu quand on. Quand on glisse comme ça, là, parce que là c'est juste la pochette, mais quand on glisse comme ça, on voit la taille des cases. Et effectivement, je vois par exemple ici la case 1, je me doute que c'est un crayon. Je me doute.
Voilà, donc on verra si ça l'intéresse d'ouvrir ça ou sinon ce que je ferai éventuellement c'est je garderai pour le dimanche. Boum. Et le dimanche on ouvrira carrément les cases de toute la semaine, comme ça il aura plusieurs crayons ou il aura plusieurs trucs qui seront proposés dedans. Je sais pas, je verrai. À la limite on ouvrira le 1 pour voir, je ne sais même pas quand est-ce que ça tombe, le 1er décembre, mais pour voir, si, parce que s'il a juste un crayon, est-ce que ça va le botter ou pas? Remarquez, si, il pourra peut-être dessiner, je verrai bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu encore de prendre? Bah, je voudrais prendre calendrier chocolat pour Lancelot, parce que je sais que voilà, l'année dernière, il a mais adoré. J'avais pris trois sortes de calendriers différents. J'avais pris le Milka, parce que c'était des petits chocolats, et je m'étais dit, voilà, c'est à peu près sûr pour Lancelot qui avait qu'un an et demi. Après, j'avais pris le Kinder, parce qu'en fait, je savais, alors j'avais pris le Kinder, la collection, voilà, le Kinder le plus cher, parce qu'il y avait, je crois, deux ou trois œufs Kinder, surprise. Il devait y avoir deux ou trois Père Noël, et puis après, il y avait des barres, et il y avait, alors moi, j'avais surtout pris le Milka à côté, pourquoi? Bah parce que des fois, quand il y avait les petits chocobons, j'avais peur pour Lancelot, un an et demi, que ça fasse un peu petit. Au final, il arrive très bien à gérer, il les coupe en deux avec ses dents, et voilà, et il mange, il avale pas tout rond ou quoi, okay, bon, je le laisse pas tout seul avec les chocobons. Mais voilà, ils sont très bien sortis. Donc cette année, je pense que je vais lui prendre le super calendrier Kinder Surprise. Simon trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, qu'on pourrait le faire soi-même. Pour cette année, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, j'avais été prendre un truc chez Action pour faire les petites cases et tout. Mais finalement, un Kinder Surprise ne rentre pas dedans. Parce que sinon, je lui aurais mis un Kinder Surprise tous les samedis et un Kinder Surprise tous les dimanches. Mais voilà, ça ne rentre pas dedans. Et pareil pour les grandes barres Kinder, ça ne rentre pas dedans non plus. Donc au final, j'ai pas envie de me prendre la tête pour cette année. On verra l'année prochaine, on ira peut-être dans un magasin avec du bon chocolat, etc. Puis je lui ferai son calendrier avec ses petites boîtes. Mais là, cette année, voilà, il aura son petit truc Riola. Et puis je vais lui prendre un calendrier d'Advent Kinder. Je sais pas, je pense pas que Simon voudra que je prenne les calendriers pour nous. On verra bien. S'il y a une super promo, un acheter le deuxième gratuit ou 50%, etc. On verra à ce moment-là, mais voilà, je vous referai donc, je pense, un petit topo. Alors, s'il n'y a pas de suite, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La suite qui pourrait y avoir, c'est juste présentation du calendrier Kinder. Mais voilà, ça fait partie du truc pour qu'après je puisse vous faire le résumé, enfin, nos avis sur les calendriers de l'Avent, voilà. Autre possibilité de rajout, c'est que ma mère m'ait envoyé quelque chose. Et autre possibilité de rajout, c'est que j'ai craqué sur autre chose. Mais je ne pense pas parce que je ne vois pas. Tout ce qui est beauté, je vous ai dit non. Tout ce qui est bijoux, c'est pareil. Bougies, je vous ai donné aussi les raisons. Donc je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Et puis c'est vrai que si ma mère m'envoie que soit le Yves Rocher, même le L'Occitane, etc. Ça me fera quand même extrêmement plaisir et j'utiliserai bien évidemment les produits qu'il y a dedans et je les ouvrirai en temps et en heure. C'est quelque chose, voilà, ça va me faire forcément plaisir, des petites miniatures, des trucs que je vais pouvoir utiliser au jour le jour et puis voilà, vous donner mon avis à la fin. Donc voilà, si elle pense à ça me fera extrêmement plaisir. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si elle s'arrête là. Sinon, bah, à tout de suite pour la suite. Je vous fais de gros bisous. Bye! Je vous fais un petit update des calendriers de l'Avent dans mon garage. Voilà, je suis accroupie par terre. C'est la montagne là de calendriers de l'Avent. Alors, ce que j'ai acheté, je vous avais dit hein, que j'achèterais forcément des calendriers de l'Avent Kinder pour Lancelot. L'idéal, ce serait d'en avoir un gros pour le soir quand il revient de la crèche, bah, du coup qu'il aille ouvrir son calendrier de l'Avent, juste avant le bain, tout ça, voilà, ça lui fait, on va dire, une coupure entre le goûter et le repas, voilà. Donc je lui ai pris ça, le très gros, je voulais un où il y avait plusieurs Kinder Surprise. Bon, bah, il y a 5 Kinder Surprise dans celui-là, donc c'est le comme ça, hein, très gros. Il y a 41 Kinder, alors il y a 5 Kinder Surprise, bon, il y a 5 œufs Kinder, 14 chocobons et 7 barres Kinder. Bon, ça, il a l'habitude d'en manger, il en mange limite tous les jours, des barres Kinder. Mais voilà, c'est pour le fun de le voir ouvrir. Et pour le matin, je sais que monsieur aussi maintenant réclame beaucoup d'avoir un Kinder le matin. Donc du coup, mais ça va être une habitude qui va être dure. Je me souviens l'année dernière, il avait pris le pli et quand on était arrivé donc au 24, il comprenait pas du coup lui la logique de Noël, etc. Pourquoi d'un coup ça s'arrêtait? Pendant 24 jours, il en a eu tous les jours et après il n'y a plus. Donc on verra après ce qu'on fait. Mais j'ai pris celui-ci parce qu'il était en réduction. Et celui-ci, c'est les Happy Moments, les mini mix. Donc, il y a 24 petites cases aussi. Ça, c'est vraiment tout petit, donc ça sera pour le matin. Donc là, il n'y a pas marqué combien il y a, mais il y a des mini barres Kinder, des mini Country, des mini Bueno, des mini White, des Bueno White, et puis il y a des Chocobons. Donc voilà, on verra bien. Là, c'est vraiment un seul truc à chaque fois. Donc, je me dis pour le matin, c'est bien, en complément du petit déj.
voir s'il prend le pli de ça, sinon éventuellement ça en dessert, je ne sais point. J'ai commencé à manger les My Muesli et franchement c'est super bon, je vous ferai vraiment le topo une fois qu'on aura tout terminé. Ça prend beaucoup de place, hein. Il me tarde d'avoir fini au moins un pour pouvoir après entamer l'autre et puis faire de la place parce que là j'ai une montagne juste devant la porte, ça prend de la place. Voilà, bon bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pense pas que je vais recevoir parce que nous sommes déjà à l'heure où je vous parle le 17 novembre. Ma mère m'a pas dit attention tu vas recevoir quoi que ce soit, donc je pense que je n'aurai pas de calendrier surprise, sauf si elle a une réduction au dernier moment, etc. Puis qu'elle me l'envoie vraiment au dernier moment. Mais en tout cas, moi je lui en ai pas parlé, elle m'en a pas parlé, donc. On va dire que cette année, pas de calendrier beauté. Bon, au pire, il y aura un petit update à cette vidéo où, voilà, au moment où je ferai un vlog, au moment où je ferai le bilan des calendriers de l'avance, si j'en ai reçu d'autres entre-temps, bah, je l'inclurai dedans. Mais en tout cas, là, je ne vais pas rajouter de choses à celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En plus, vous entendez en bruit de fond mon sèche-linge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!